Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour parler de fiscalité et pour parler notamment de fiscalité lorsqu'on achète un bien immobilier qui est totalement loué et qui est sans travaux. Quel est le meilleur choix qu'on doit faire ? De plus en plus, les investisseurs n'ont pas envie de faire des travaux parce qu'ils savent que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est potentiellement plus compliqué à faire financer. Et de plus en plus d'investisseurs vont aller se positionner sur des projets qu'on appelle clés en main, c'est-à-dire des projets sans travaux soi-disant et en réalité qui sont déjà loués. Quelle fiscalité du coup on va choisir lorsqu'on a ces éléments-là ? Déjà, on va commencer pas par ce qu'on va choisir, mais surtout parce qu'on va éliminer direct. Lorsqu'on a ce genre de projet, tout loué, sans travaux, on va éliminer tout de suite des régimes fiscaux qui sont favorisés par les travaux, notamment la location nue en nom propre, donc le régime foncier qu'on va faire en location nue, donc au nom propre, ça on va l'éliminer de suite, notamment au réel. Ça, on l'oublie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire la location nue, on peut faire la location nue, mais c'est juste qu'on ne va pas la gérer en nom propre. Si on veut faire la location nue, ça ne sera pas en nom propre. Si on veut faire la location meublée sur l'ensemble de ce bien, il faut vérifier déjà que l'ensemble des appartements sont bien loués en meublé. Parce que si ce n'est pas meublé aujourd'hui et que tout est loué en location nue, ben à ce moment-là, il va falloir faire changer les baux. Pas si simple que ça, on ne peut pas juste dire au locataire, au fait, tiens, ton bail va changer. Il faut re-signer des contrats, il faut en gros qu'il quitte son... Enfin, il faut qu'il résilie l'ancien contrat pour remettre un nouveau contrat. Et il faut meubler, c'est-à-dire qu'il va falloir acheter des meubles, le meubler, que lui enlève ses meubles, voilà, ou lui racheter ses meubles éventuellement pour les mettre à l'intérieur. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'immeubles aujourd'hui qui sont proposés à la vente, qui sont potentiellement déjà loués, mais la plupart seront loués en location nue. Et quand ils sont loués en location meublée dans leur totalité, faites très attention à une chose, c'est que dans une grande majorité des cas, vous aurez un seul compteur électrique pour l'ensemble de l'immeuble. C'est l'expérience qui parle. Donc, en gros, la plupart du temps, quand vous aurez un immeuble clean, vraiment rénové avec des locataires à l'intérieur, ce sont souvent loués en location nue dans la grande majorité. Donc, on enlève le nom propre en location nue. On peut faire du LMNP, pas un problème. On peut très bien envisager du LMNP. Le LMNP nous permet de faire ce qu'on appelle de l'amortissement comptable. Et l'amortissement comptable nous permet malgré tout de réduire notre fiscalité, même lorsqu'on n'a pas de travaux. Donc, c'est OK en gros pour faire du LMNP à partir du moment où l'ensemble des biens sont loués en location meublée. Pour les SCI ou les sociétés, hein, peu importe, SCI ou SAS ou SARL, peu importe, évidemment, l'IS va rester OK. Va rester OK, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de faire les deux. Ça va nous permettre à la fois d'avoir la possibilité d'avoir des locations nues, à la fois d'avoir la possibilité d'avoir des locations meublées. Donc, soit on va privilégier soit le LMNP dans ce cadre-là, soit la SCI à l'IS. La SCI à l'IR est aussi totalement à bannir, simplement parce que vous allez vous faire exploser par les impôts, puisqu'on ne pourra pas utiliser les charges des travaux pour pouvoir réduire notre fiscalité. Donc ça, on oublie totalement en fait la SCI à l'IR et on oublie la location nue au nom propre. Donc, on va privilégier le LMNP et la SCI à l'IS dans ces conditions-là. J'irai plus sur la SCI à l'IS pour une raison simple, c'est que je vous dis que dans une majorité des cas, vous aurez une partie de l'immeuble, une grande majorité de l'immeuble en fait qui sera loué en location nue et une petite partie qui sera louée en fait en location meublée. Donc, pour éviter ces problèmes, on va absolument se concentrer sur le fait de louer en SCI à l'IS. En tout cas, c'est ma vision des choses et c'est ce que je fais aujourd'hui et ce que je pense être la meilleure solution dans ce cadre-là. Je sais qu'il y a plein de gens qui se disent que c'est pas une bonne idée d'acheter des biens qui sont sans travaux et déjà loués parce que justement ils ont l'impression qu'on ne peut pas l'optimiser, qu'on peut rien en faire et qu'en fait on va se faire forcément exploser par les impôts. Et ça, oubliez cette idée, c'est une croyance, encore une fois, c'est une vraie croyance de penser que des projets sans travaux ne sont pas optimisables fiscalement. Je sais que il y a plein d'intérêts sur le fait de faire des travaux, ça a plein d'avantages hein, sur le fait de rénover le bien, de le rendre plus qualitatif, on ne paye pas de frais de notaire sur le montant des travaux, donc en soi on peut faire une économie. Donc il y a plein de petites choses qui font que faire les travaux, ça peut avoir du sens. Mais dans certains cas, pour certaines personnes, notamment pour des problèmes aussi, encore une fois, de financement, d'accélération, d'achat de son patrimoine immobilier, on peut avoir un intérêt à aller sur des projets sans travaux et potentiellement qui sont déjà loué. Voilà, c'était une vidéo très courte dans laquelle je voulais revenir sur ce sujet parce que je sais qu'il y a plein de gens qui imaginent qu'il n'y a pas de solution miracle lorsque en fait on est sur un projet sans travaux et en location, enfin sans travaux et déjà loué. Donc voilà, je vous confirme que le LMNP et la SCLIS sont tous les deux des solutions, des bonnes alternatives en fait dans cette situation-là. Sur ce, si vous voulez vous former davantage sur la fiscalité, allez regarder le lien, on a une formation sur cette thématique qui est finançable également par votre CPF, donc n'hésitez pas à regarder et à voir toutes les infos donc dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.